Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Tant qu'aujourd'hui on se retrouve, parce que j'ai été à Cultura vite fait, parce qu'il me fallait des lames pour le massicot. Et ben, résultat des courses, j'ai fait quelques soldes, mais j'ai complètement oublié la lame des massicots. Donc je voulais vous le faire partager avec vous. J'ai été à Action aussi vite fait, donc il y a des bricoles qui viennent d'Action. Donc ben, c'est parti. Alors, j'ai pris cette perforatrice de bordure. Voilà, une maille. Non. Voilà. Donc, elles sont très bien, ceux-là, hein, puisque j'en ai déjà des comme ça. Et donc là, au lieu, elle était à 9,90 normalement, ben là, il y avait 50% dessus. Donc, forcément, je l'ai pris à 5 euros. Voilà. Il y avait celle-là. Ensuite, j'ai pris cette perforatrice papillon. Voilà. Pareil, elle était à 10 euros quelque chose. Et en fait, je l'ai eu à moitié prix. En même temps, du coup, je l'ai défait. Hein, comme ça, hop, ce sera fait. Donc voilà. Elles sont très très grosses, hein, sont très lourdes. Hein. Ensuite, ça, j'en ai pris une pour une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai trouvé les Friskas. Alors, ça faisait un moment que j'en les voyais, mais elles sont super chères, je trouve. Et ouais, voilà, c'était pas. Je me disais toujours, bon, c'est cher pour ce que c'est. Voilà. Sauf que là, du coup, c'est passé de 17,49 à même pas 8 euros. Donc, du coup, je l'ai prise. Voilà. Donc, ça fait ce dessin. Et il fait 5 cm. Voilà. Donc, du coup, je l'ai pris. J'ai aussi pris cette perforatrice. Que je voulais depuis un petit moment aussi. Elle fait 5,5 cm. Voilà. Et pareil, bah, à 15 euros, je disais toujours non. Sauf que là, elle est à moitié prix. Donc, du coup, voilà. Je l'ai prise aussi. Est-ce que je l'ai prise? Voilà. En fait. Là. Ah, du coup. J'en ai des perfos, je vais pas être en manque. Ensuite, pareil, en Friskars, pardon, j'ai pris celle-là. Pareil, elle est à moitié prix, c'était le même prix que l'autre, à 17 et quelques, 17,49. Ça fait 5 cm, pareil, le motif. J'ai aussi pris celle-là, qui fait elle 3,75 cm. Voilà. Et qui est à 6,50 normalement. Et là, il y avait 50%. Donc, ça l'a fait à moitié prix. Ensuite, du coup, bah, vu les prix, j'ai repris, parce que la mienne ne marche pas bien, celle de la ronde de 2,5 cm. Et celle-là, ça l'a fait à peine à 2 euros et quelques. Hein. Voilà, 2,50 euros, même pas. Ouais. Donc, du coup, je l'ai prise. Hein, j'ai dit. Hein, parce que, de toute façon, l'autre ne marche pas bien. Et, bah, vu les prix, du coup, j'ai craqué aussi sur celle-là. Ça avait des petits cœurs. Ça faisait un moment aussi que je la voyais. Puis, je disais toujours, bon, pff, voilà, il y en a d'autres achetés avant. Et tout, mais alors là, pour le prix, du coup, voilà, je l'ai prise puisque ça la faisait à 5 euros. Bon, du coup, hop. Je l'ai prise. Alors, une que je voulais vraiment, vraiment, depuis longtemps, mais vu le prix, franchement, même pas en rêve. Il y a des limites quand même. C'est celle-là. Alors, celle-là, elle fait des étiquettes. Et en plus, on peut mettre les œillets avec. Voilà. Donc, là, vous faites l'étiquette et là, vous mettez l'œillet. Il y avait un œillet dedans déjà. C'est des œillets, oui. Ouais. Et celle-là était à 20,99 euros.
Sauf que ben, moins 50%, ça l'a fait qu'à 10 euros. Donc, du coup, je l'ai prise. Elle est super lourde. Voilà. Et ben, je l'ai prise. Voilà. Ensuite, pareil, à 50%, j'ai pris ce moule-là. Parce que c'est des cadres. C'est pour la résine. Et on peut faire des cadres avec. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ça. Parce que là, j'ai adoré ce petit cadre. On peut faire un grand cadre. On peut faire des fleurs, des volutes, des rubans de perles. Voilà. Et là, c'est pareil. Normalement, il est à 16,30 €. Et bien, moi, je l'ai à moitié pris. Sinon, je ne l'aurais pas pris, franchement. C'est un moment que je le voyais, mais bon. Vu le prix, on se dit, bon, ça fait un petit peu cher. Ensuite. J'ai trouvé du papier pollen, alors je ne sais pas pourquoi, hein, 160 grammes en ivoire, qui était soldé aussi à 50%. Alors il y a 50 feuilles dedans, et du coup ben, j'en ai pris deux parce qu'en fait pour le prix d'un, j'en avais deux. Voilà, donc du coup je l'ai pris, et normalement celui-là il est à 8,99 €. Donc voilà, par contre il n'y avait que cette couleur, il n'y en avait pas d'autres. Toujours pareil à Cultura, dans les 50%, j'ai pris la bande de colle 3D. Normalement, j'en prends pas parce que c'est trop cher. Sauf que là, bah, je l'ai pris. Voilà, c'est parce que là, ça le faisait à 1 euro et quelques, moins de 2 euros, puisque c'est à 3,50 € normalement. Mais bon, c'est pas le genre de truc que j'achèterais d'habitude. Donc là, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Ensuite, et là, je suis trop contente, j'ai trouvé un petit bout de mon tissu que j'adore. J'avais fait les boîtes à couture avec et j'en trouvais plus. Et là, je l'ai trouvé. Il y en avait qu'un. Et je l'ai trouvé. Et normalement, il était à 5 euros. Ben là, c'est pareil, c'était 2,50 €. Donc du coup, je l'ai pris. Et voilà quoi. Je me suis fait plaisir. Ensuite, c'est un peu tôt, mais au moins je les aurai. J'ai pris ces décorations en bois de Noël. Voilà, je les ai trouvées trop chou. Pareil, elles étaient à 1,19 € moins 50%. Donc, j'en ai pris deux. Pourquoi s'en priver? À ce prix-là, je les aurai. Ensuite, j'ai pris. Ces petits embellissements là, comme ça en bois. Voilà. J'ai le papier qui peut aller avec, c'est pour ça que je les ai pris. Et là, bah, pareil, au lieu d'un 99, c'était moitié prix, donc c'était 1 euro et quelques. Donc, voilà. Ça, et pareil, il n'y en avait qu'un. J'ai trouvé ce bloc là qui était soldé aussi. Alors j'ai demandé quand même à la caisse parce que du coup il n'y en avait qu'un. J'ai eu peur que ce soit quelqu'un qui l'avait posé, qu'en fait il ne soit pas soldé, parce que je ne l'aurais pas pris sinon. Je sais pas. Qu'est-ce que. C'est pas un truc que j'aurais acheté comme ça. Je l'aime bien, mais voilà quoi. C'était pas une priorité. Et lui, il était à 6,29 € normalement. Je vous montre. Et bien là, du coup, il est à 50%. Donc moi, j'ai bien aimé cette collection. Je la trouve très jolie. C'est Toga. C'est le seul papier que j'ai acheté parce qu'après, j'ai pas trouvé ça super. Il y en avait une là, verte, traitée, mais elle n'était pas jolie. Donc voilà, en gros. Donc j'ai pris celle-là et ça, c'est. Je vois pas. Il n'y a pas le nom de la collection. Bon, c'est photo, quoi. Voilà. Ça. Ensuite, j'ai trouvé des aiguilles comme ça, couteau fourchette. C'est des aiguilles pour mettre sur les pendules normalement. Bon, mais moi, je l'ai pris, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un scrap, peut-être pour faire une horloge, je ne sais pas. C'était 1,99 €. Ben là, en fait, c'était qu'un euro. Donc, je l'ai pris. Voilà.
J'ai trouvé aussi, mais alors pareil, hein, c'est pas pour maintenant, mais ce magnifique bout de tissu, j'adore, voilà, pour Noël. Et pareil, ben, au lieu de 5 euros, il était à moitié prix, donc du coup je l'ai pris. Je le trouve super mignon, donc peut-être qu'à Noël je ferai quelque chose avec. Je regarde parce que c'est un peu tout mélangé du coup. J'ai aussi trouvé ce dies, enfin, ouais, c'est un dies. Ouais. Vivre l'instant présent, que j'adore. Sauf que, bah, vu le prix normal, voilà, 16,69, et bien là, il est à 50%, donc du coup, je l'ai pris. Voilà. J'ai aussi trouvé ce tampon comme ceci, édition limitée. Voilà. Là, par contre, je me souviens plus du prix. Je crois que j'ai dû le payer 2 euros, un truc comme ça. Et j'ai aussi trouvé celui-là. Voilà. C'est pas le genre de truc que j'aurais acheté normalement, mais vu qu'il était à 50%, ça le faisait à 2 euros et quelques. Donc, du coup, j'ai dit, au moins, je l'aurai si j'ai des albums de mariage à faire. Et alors, ça faisait un moment que je le voulais celui-là, mais bon, voilà, vu le prix, je trouvais que c'était trop cher. C'est des décalcomos, vous savez, les trucs qu'on gratte là, voilà. Hop. Et ça, normalement, c'est 4 euros. Donc, 4 euros, je trouve que ça fait quand même très cher, hein, pour une feuille. Et ben là, c'est à 2 euros. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. Je l'ai pris. Et alors, j'ai trouvé ces tampons. Donc, sur le thème du mariage aussi. Voilà. Un grand jour, invitation à notre mariage. Toi et moi. Livre d'or. Il y a plein de jolies phrases comme ça, c'est Casey Art. Et là, pareil, ben, c'était moitié prix. J'ai fait vérifier à la caisse, hein, parce que voilà, j'étais pas sûre que je trouvais bizarre. En plus, elle avait tout celui-là. Donc du coup, je l'ai pris aussi. Voilà pour mes achats de Cultura. Ensuite. À Action, j'ai pris des embellissements en bois comme ceci. Donc là, j'en ai pris deux, et ça, c'était au rayon, vous savez, fausse fleur et tout ça. Bon, j'ai repris un cutter parce que je suis en panne de lame de cutter, j'en ai aucun qui coupe. Et celui que j'avais pris pour l'anniversaire de Théo, je le retrouve plus. Je pense qu'il est parti avec tout ce qui est ustensiles de cuisine, décoration, tout ça. Donc, bon, oui, chaque passion a sa place, comme ça, voilà, un cutter pour la cuisine à la cuisine et celui-là à l'atelier. J'ai pris des pinceaux aussi, comme ça, à Action, à 1,99. Bah, parce que on n'en a jamais assez de pinceaux, donc voilà. J'ai pris ça aussi pour un projet que j'ai, parce que j'aime bien ces couleurs, voilà. Donc j'espère que ce sera pas trop épais. Donc je verrai. Je vous dirai ça de soirée. Ah oui, il y avait ça à Cultura aussi. J'ai acheté des paillettes blanches transparentes. J'en consomme beaucoup, surtout au moment des fêtes et tout ça. Et du coup, bah, vous avez vu le prix normal, c'est très cher, 7,80. Bon, on en fait longtemps après, mais bon. Et bien là, il est à 50%. Donc du coup, pareil, je l'ai pris. Et à Action, j'ai pris ça. Voilà. Parce que c'est un moment que je voulais les prendre, puis je les prenais jamais. Ben là, j'ai dit, je vais les prendre. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai été vite fait la semaine dernière. Voilà. Et donc, j'ai enfin trouvé mes tampons. Comme ça. Alors, ceux-là, ils y étaient ce matin aussi. Mais moi, je les ai pris la semaine dernière. Voilà. J'ai trouvé enfin les attrape-rêves, l'abeille et les appareils photo. Voilà. Et je suis bien contente parce que c'est un moment que je les voulais, ceux-là.
Et puis, c'était vendredi. Ouais, c'était vendredi. J'ai trouvé des dyes. Alors, il y en a qui sont déjà pris. Hein. Je vous dirais que. Voilà, il y en a qui sont déjà pris, mais mon fils me les a mélangés. Donc, je vais vous en montrer. Je vous ferai un résumé parce que j'en ai pris un peu pour vous. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui sont pris. Donc, je vous le confirmerai quand je rentrerai de vacances, du coup, parce que là, voilà, j'attends de savoir lesquels elles prennent et tout. Donc, j'ai trouvé celui-là. Alors, ce matin, il n'y en avait plus, par contre. J'ai demandé. Donc, c'est un oiseau. J'ai trouvé des lapins. J'ai trouvé le petit ange. Voilà. Non, je vais les dispatcher comme ça. J'ai trouvé la botte de Noël. Donc, les bottes de Noël, elles sont déjà prises. Des boules. Cette volute, comme ça, avec des fleurs. J'adore. Le renne. Alors, le renne, il y en a plusieurs. L'oiseau, il y en a plusieurs. Les lapins, ça. Le petit ange. J'ai trouvé ces carrés. Mais je pense que vous avez dû les voir, peut-être. J'en suis presque sûre. J'ai trouvé ce. Villa. Là. J'ai trouvé ça là. J'ai trouvé. Alors, je sais pas si c'est un chameau ou un dromadaire. Je sais jamais lequel c'est. Voilà. Hop. J'ai trouvé celui-là qui est magnifique. J'ai trouvé celui-là. On va le mettre là. Après, il faut que je les fasse partir. J'ai trouvé celui-là. J'ai trouvé celui-là. J'ai trouvé celui-là. Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Le cerf aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. La femme, je vous l'ai montré, celui-là. La femme aussi, celui-là, celui-là, celui-là. Là, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, c'est tout. J'ai oublié de vous dire que j'ai pris à Cultura la Distress Vintage Photo puisque l'autre était pratiquement fini. Donc du coup, comme j'y étais, je l'ai pris. Et bien sûr, j'ai oublié les lames de massicot parce que j'étais y allée pour ça quand même à la base. Mais bon, voilà quoi. Bon, mais écoutez, j'espère que ce petit haul, enfin ce gros craquage de Berfo à Cultura vous a plu. Franchement, si vous pouvez, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Parce que des perfos comme ça, je sais que ça fait un moment, surtout celle-là, là. Ça fait vraiment longtemps que je la voulais. Mais bon, vu les prix, voilà. Vous aviez aussi pareil là, les friscars, mais où il faut un truc pour la mettre dedans et un genre de réglette. Voilà. Il y en avait à celui de. Grammont, Toulouse Grammont à Auchan, voilà. Mais moi je l'ai pas pris parce que la réglette elle est aux 45 euros donc bon, hein, on va peut-être pas pousser. Donc voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.